Bonjour tout le monde et bienvenue sur le jeu gratuit de la semaine sur Epic Games. Cette semaine, on a deux jeux. Là, on va commencer avec Snake Bird complète. Alors, les paramètres, il n'y a pas grand chose. Les commandes et tout, le son. Les supplémentaires, on est en Full HD. 120 Hz. Anti-crénage activé, il n'y a pas grand chose. C'est un petit jeu bien tranquille et on va lancer une partie toute de suite. Peux-tu la manette? Oui, on peut la manette, ok. Oh oui, putain. Comment qu'on fait pour... C'est quoi déjà le but du jeu, pour vrai? Ah oui, ok, faut aller trouver le tourbillon, le truc, wow. Ça a l'air quand même stylé comme jeu. Voyez toutes les fruits. Wow. Ok, on a deux, on dirait qu'on a deux niveaux à chaque fois qu'il part, mais ça c'est fait dans l'ordre bien sûr. Le 3 c'est quoi qu'il fait? Ah, qu'il faut. À moins que je vire d'abord. Je vais faire ça dans le sens. Tac, 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 comme ça. Je vais aller dans ce sens-ci. Oh putain! Hop! Ok, on peut reculer avec B de la manette, ça je ne savais pas. Ça va être utile. Par contre, putain. Et on peut reculer. Ah non, ok, ça garde des fruits. Ah putain. Ok, il faut toujours avoir un appui. Hey, c'est chaud quand même, hein, quand t'es pas habitué, là, c'est waouh. Là, on a... Attends, on a fait 3 niveaux. Oui, parfait. De 4. On va faire les 5 premiers niveaux. Ça va nous permettre de bien découvrir le jeu. Ah, oh, ils sont... Merde. Ok, attends. Là, c'est... Il n'y en a pas d'autres, hein? Non? C'est ça, oui. Ok, wow! Faut tout ramasser les fruits pour pouvoir passer au prochain niveau. 5. On va faire le dernier, ce niveau aussi. Ok. Là... On peut-tu bouffer l'oiseau? On va essayer. Bon. Un fruit... Oh putain. Ok. Wow. C'est un petit jeu de puzzle avec beaucoup de niveaux. C'est vraiment nice. Moi j'adore. Alors, attends, c'est quoi écrit? Ok, on a plusieurs îles. Ok, c'est pas pire ça. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Découverte du jeu gratuit de la semaine sur Epic Games. Et moi, je vous dis à la prochaine. We'll be right back.